Alors, je vous présente Laetitia Le Guen, 46 ans, et elle habite Guipava. Et moi, je vous présente Florian Pellen, qui a 42 ans et qui habite Brest-Même. Alors, je travaille au service COM, communication, marketing et commercial. Je m'occupe du développement collaboratif des outils numériques du cabinet et je m'occupe également de la structure ESC Formation. Et moi, je travaille au sein de la filiale ESC RH en tant que consultante RH sur tout ce qui est accompagnement RH auprès des entreprises et tout ce qui est formation interne et externe. Et ça fait 1 an et demi que je suis en société. Piano ! Piano ! Moi, j'ai commencé à jouer uniquement il y a 3 ans. J'ai toujours voulu faire du piano depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas pu pratiquer parce que je n'avais pas de piano chez moi. Donc j'ai pratiqué d'autres instruments. J'ai étudié le solfège pendant plus de 5 ans. Donc je connais très bien la musique. Et je me suis dit pourquoi pas, il y a 3 ans, acheter un piano et commencer à jouer. Et moi, c'était hier, on va dire plutôt à l'école primaire, où j'ai commencé à jouer au solfège, mais pas au piano, mais à l'orgue. Donc j'ai joué dans les églises pour les communions. J'ai adoré parce qu'il y avait une caisse de résonance de dingue. Et entre nous, heureusement qu'il y avait la guitare à côté pour des fois couvrir les fausses notes. Moi, ce qui me plaît dans le piano, c'est la sonorité du piano. Le piano a un ton brillant et mélancolique. Et moi, avec le piano, en fait, j'ai tendance à m'évader. Je ne pense plus à rien. En plus, j'ai une super caisse de résonance là où passer mon piano dans la maison. Et autrement, personnellement, j'écoute pas les musiques. Enfin, j'écoute pas les paroles d'une chanson. J'écoute la musicalité derrière. C'est ça qui me transporte et qui me fait vivre des émotions. Donc, que ça soit AC/DC ou de la musique classique, je pars dans toutes mes émotions. Il n'y a pas d'âge en fait pour accomplir ses rêves d'enfant. Le tout, c'est d'en avoir envie. Et l'envie fait réussir. Moi, la chose que je voudrais dire, c'est juste écouter de la musique. Ça vous permet de vous déconnecter total du stress, des mauvaises ondes, et ça vous permet vraiment de vous évader dans vos pensées, dans vos émotions. Donc, à fond la musique. À fond la musique.